Au départ, tout le monde sait que les communes, c'est un département qui a de très fortes potentialités agricoles. Et malgré cela, il y a des contraintes qui sont toujours là et qui empêchent donc le développement agricole effectif des communes. Et au nom de ces contraintes-là, on peut par exemple parler de la faible mobilisation des ressources en eau pour l'agriculture. On peut parler de la faible disponibilité des terres liée, on peut dire, à la fertilité et puis aussi à l'insécurité foncière. Il y a la faible mécanisation de l'agriculture. Il y a la difficulté d'accès aux crédits adaptés. Il y a aussi, on peut dire, le problème d'accès au marché en termes de pistes à désenclaver, effectivement, découvrement des produits agricoles. Mais il y a aussi la transformation qui reste encore artisanale avec des matériels peu adaptés. En juin 2016, le projet d'appui au développement agricole des collines PADAC s'installe dans le département des collines. Sa mission principale est axée sur la promotion de l'agriculture. Pour mieux comprendre, nous avions fait le déplacement de Dassa Zoumé à la rencontre du coordonnateur Bertin Tameyon. Nous sommes à Dassa Zoumé. Nous avons reçu pour vous M. Bertin Tameyon, coordonnateur du PADAC. Est-ce qu'on peut mieux comprendre le fond de ce projet? Quel est son aperçu? C'est un projet qui a pour objectif de faire la promotion du développement agricole des collines. Et mise en place, il est structuré à travers quatre composantes. Une première composante qu'on appelle composante investissement agricole. Une composante qui est chargée de la sécurisation foncière. On a parlé tantôt du problème de sécurité foncière. Donc il y a une composante qui est chargée de mener des actions dans ce sens-là. Et il y a une troisième composante qui est chargée de l'appui institutionnel. Et puis une quatrième composante qui est une composante de gestion. Et donc au nombre de ces quatre composantes, il y a les deux premières sont des composantes techniques réellement qui permettent donc la mise en œuvre du projet. Voilà un peu comment le projet est structuré. Mais pour aller au fond des choses, disons que c'est un projet assez spécifique qui est mis en place et comparativement à d'autres projets où c'est des projets à envergure nationale basés pour la plupart à Cotonou. Et ce projet est mis en place pour accompagner le développement agricole des collines et installer proche des populations à la base. C'est un projet qui, à travers la première composante investissement agricole, accompagne les bénéficiaires potentiels. Nous avons une certaine catégorie de bénéficiaires. Il y a d'abord les communes qui sont bénéficiaires aussi parce que les communes peuvent porter des projets. Les projets à envergure communale, donc, ils sont portés par les communes. Il s'agit de projets structurants tels que les aménagements, les retenues d'eau, les infrastructures économiques et marchandes. Ça, ce n'est qu'un aspect. Le deuxième aspect, c'est les projets qui sont portés par les privés. Et nous entendons par privés les producteurs individuels, les producteurs organisés en groupement ou coopérative, les entreprises privées également, et même les ONG, donc qui élaborent des projets et qui les soumettent au PADAC, qui donc les financent. Et donc ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est que la foncière accompagne les communes pour améliorer la gestion du foncier. C'est un domaine assez complexe et qui donne lieu donc à des conflits. Et notre souci, donc, c'est d'œuvrer en sorte qu'on puisse limiter ces conflits-là. Et les actions menées portent sur l'information, la sensibilisation et la communication sur le code foncier et domanial, parce que c'est ça qui régit le domaine. Donc, on parle beaucoup du code foncier et tout ce que nous faisons est basé sur ce code foncier-là. Et donc, nous accompagnons les communes. Nous accompagnons les accompagnons également en matière de renforcement en matériel de travail. Et nous avons beaucoup de formations pour permettre aux acteurs à la base. Ici, il s'agit des SVJF et des COGEF. Ces structures-là qui sont les acteurs à la base et à qui nous donnons des formations
et des matériels également pour leur permettre de jouer correctement leur rôle. Alors, la troisième composante, c'est la composante appui institutionnel. C'est une composante qui nous permet d'accompagner et de bénéficier aussi de l'accompagnement des structures telles que les structures étatiques telles que la TDA. Il y a la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, la DDAEP, Zoukoline. Mais il y a aussi un partenaire stratégique, le groupement intercommunal des collines, qui nous accompagne, dans tous les aspects du projet. C'est une organisation d'intercommunalité qui regroupe donc les 6 communes du département. Donc nous travaillons avec le GIC et nous bénéficions de leur accompagnement. Ça fait que nous avons une convention avec le GIC, mais de façon spécifique, à chaque fois que besoin est, nous signons des conventions qui permettent de leur donner des mandats pour des activités assez spécifiques. C'est le cas, par exemple, de l'élaboration du plan de développement communal de troisième génération, le PDC troisième génération. C'est le PADA qui a financé cette activité, qui a été conduite de bout en bout par le GIC. Et il y a, par exemple, aussi une étude approfondie que nous avons menée sur l'agropastoralisme. Cela a été fait par le GIC dans un consortium composé du GIC, de l'UDOPER et de l'AFL. L'AFL, c'est une ONG française, Active for Life. Bon, il y a aussi le DTA, le dispositif technique d'accompagnement. C'est une structure que le PADAC a mise en place, mais basée au niveau du GIC, qui nous permet justement d'accompagner les porteurs privés, parce que les porteurs privés soumettent leurs projets. Et c'est le GIC, avec le DTA, et composé des agents techniques que nous appelons les facilitateurs, qui accompagnent donc ces porteurs de projets de bout en bout jusqu'à la mise en place des financements et jusqu'à la mise en œuvre même des projets. On peut citer aussi, il y a une activité que nous avons engagée pour pouvoir faire le balisage des pistes de transhumance qui traversent en ce moment et 4 communes. Il y a la commune de Glazoué, de Banté, de Ouessé et de Savalou. Donc, c'est une piste de 156 km linéaire que nous allons baliser. Voilà des activités assez fortes qui sont menées par le GIC et qui font que nous disons que le GIC, c'est un partenaire stratégique incontournable. Donc, la composante, je disais la troisième composante, mais ces activités sont transversales par rapport à toutes les composantes. Mais à travers la composante 3, l'accompagnement précis au niveau par rapport au GIC, à travers le cadre, la composante cadre, se fait à ce niveau. Les premières activités de GIC ont été lancées en 2016. Monsieur le coordonnateur, dites-nous quels sont les bilans phares, quelles sont les actions phares à mettre à l'actif du PADAC. Nous avons eu beaucoup de problèmes au démarrage parce que c'est un projet assez spécifique, comme je disais, non pas seulement du fait qu'on soit plus proche des acteurs à la base, mais aussi et surtout parce que le projet n'était pas vraiment défini au départ. Et là, il nous a fallu faire au démarrage deux diagnostics. Un diagnostic pour définir les investissements et un diagnostic foncier. Et ça a pris beaucoup de temps. Et on peut dire que c'est réellement à partir de 2018, voire 2019, que les activités concrètes du terrain ont démarré. Et donc, de cet instant-là, à partir de cet instant jusqu'à ce jour, nous avons mené beaucoup d'activités. Et j'avais commencé déjà par les citer, mais toutes les communes ont bénéficié de nos activités. En ce qui concerne les projets communaux, nous en avons réalisé au niveau de toutes les communes. Les infrastructures économiques marchandes. Mais au niveau de deux des communes, finalement, nous sommes en train d'aller vers la réalisation. Lesquelles? Il y a Banté qui va bénéficier de retenue d'eau de Mar, que nous allons aménager. Il y a Dassazoumé avec la retenue d'eau de Odor-Tcheré. Et ça va être aussi réalisé. Mais pour les autres, nous avons, compte tenu du délai de mise en œuvre du projet, nous sommes limités à la conduite des études pour les aménagements et donc les résultats d'études sont disponibles et susceptibles d'être exploités plus tard par les communes et quand elles auront trouvé des financements nécessaires pour le faire. Sinon, nous, on s'est limité à ce niveau et toutes les communes, quand même, au-delà de ce domaine-là, ont bénéficié des infrastructures économiques marchandes. Par exemple, les marchés à bétail, les hangars de marché, que ce soit à Glazoué et à Clampa notamment, et même les magasins et autres que nous avons construits un peu partout.
Voilà donc les infrastructures que nous avons pu réaliser. Pour ce qui concerne les porteurs privés, là c'est plus étendu parce que c'est un projet de développement agricole qui prend en compte les filières phares comme les filières émergentes. Nous n'entendons pas filières phares. L'anacarde par exemple, il y a le riz, il y a les racines et tubercules. Et puis il y a le soja aussi et les cultures maraîchères. Du point de vue de l'élevage, il y a l'élevage de la volaille et l'élevage des petits ruminants. Nous avons mis en place des forages pour leur permettre d'irriguer leurs plants, les plants greffés qu'ils produisent. Nous avons mis en place des matériels aussi de kits de greffage, etc. Et pour certains, il y a eu même les clôtures pour leur permettre de sécuriser leurs plants. Et en matière d'anacarde, nous intervenons aussi au niveau des porteurs privés pour leur permettre de faire les entretiens des plants. Parce qu'en matière de plantation ici dans les collines, il y a véritablement de vieilles plantations qui méritent d'être entretenues afin d'améliorer donc le niveau de production. Et en matière toujours d'anacarde, il y a l'aspect de transformation aussi qui est pris en compte. Nous avons accompagné les porteurs privés de projets à acquérir des matériels afin de transformer la pomme cajou, par exemple, en jus. Voilà les types d'interventions que nous faisons par rapport à cette filière-là. Bon, par rapport au riz, nous avons également accompagné les producteurs, surtout les femmes, pour l'étuvage du riz. Et puis, la mise en place de semences au niveau de l'inirise, par exemple. Bon, au niveau du soja, là, nous avons mené également beaucoup d'activités en matière de production de semences, déjà à partir des semences de base, avec l'accompagnement du CRAS Centre. Nous avons produit également des semences certifiées et avec les producteurs certifiés, des semences certifiées que nous avons encadrées et qui sont suivies par la DDAEP, le CRA, voilà, pour avoir des produits de qualité. Le soja également, nous accompagnons les femmes pour la transformation du soja, fromage et autres. Nous avons les racines tubercules, c'est les transformations, les ateliers de transformation. Nous avons installé un peu partout au niveau des femmes pour produire le gari et le tapioca. Pour l'élevage, il y a eu les grillages de protection, donc les abris que nous avons mis en place avec des effectifs pour pouvoir améliorer la production également à ce niveau. Et donc, on note qu'il y a deux grands bénéficiaires qui ont droit à vos financements. Monsieur le coordonnateur, qu'est-ce qu'on fait pour avoir droit au financement du PADAC? C'est surtout au niveau des promoteurs privés que nous allons évoquer cette stratégie-là. Il y a un appel à candidature qui est lancé au niveau de la... Nous lançons deux appels à projet et par l'intermédiaire des radios locales. Sur une période d'un mois. Okay. Cela permet aux bénéficiaires potentiels de se positionner à travers des fiches qu'on met à leur disposition qui remplissent, avec l'accompagnement, bien sûr, du DTA, dispositif technique d'accompagnement dont j'avais parlé. Et lorsque ces fiches sont remplies, on les soumet donc au DTA qui les apprécie à nouveau. Et il y a un comité qui est mis en place pour aller visiter ces sites-là, pour voir si les déclarations qu'ils ont faites dans les fiches sont réels et on peut voir concrètement sur le terrain. Donc nous apprécions avec d'autres indicateurs. Cela permet de sélectionner les premiers qui pourraient bénéficier du financement. Lorsque c'est sélectionné, il y a des critères qui interviennent. Par exemple, la possibilité de mobiliser les contreparties. Il y a des contreparties qui sont exigées, donc ils doivent mobiliser ces contreparties-là. Et puis, ils doivent être disponibles donc, pour suivre les conseils et du PADAC. Et donc, lorsque c'est retenu, nous arrivons donc à signer des conventions avec ces bénéficiaires-là. Il faut dire que le PADAC intervient suivant une approche de maîtrise d'ouvrage des privés. Maîtrise d'ouvrage des privés, cela veut dire que c'est les bénéficiaires du projet avec l'appui du DTA qui conduisent l'activité de bout en bout, depuis l'instruction du projet jusqu'à l'acquisition et la mise en place des infrastructures, la sélection donc des prestataires. Donc, c'est conduit par les bénéficiaires eux-mêmes. Et au-delà des partenaires techniques que vous aviez annoncés, nous avons aussi l'AFD qui vous accompagne. Tout à fait. L'AFD qui est notre partenaire technique et financier, donc le seul d'ailleurs que nous avons, et finance, nous aide à financer donc, tout ce dont nous avions parlé. Et
puisque c'est un projet qui est mis en œuvre depuis 2016, il faut que de temps en temps, le partenaire fasse un tour pour voir comment est-ce que les ateliers se mènent afin que son accompagnement puisse être complet. Et donc, ce n'est pas la première fois que l'AFD effectue des déplacements de terrain, mais la différence cette fois-ci, c'est que nous avons fait, en dehors des travaux de bureau, nous sommes allés effectivement sur le terrain, notamment à Doumain, on est allé à Doumain, on est allé à Savablo-Agbado, on est allé à Glazoué. Le temps était très limité, donc on a dû se limiter à ces sites-là. Et au terme de cette visite, je crois que l'AFD a beaucoup apprécié les interventions du projet, mais avec quelques observations, notamment au niveau des infrastructures où il était nécessaire d'apporter quelques améliorations. Heureusement que l'UGP avait déjà anticipé, avait prévu qu'il pourrait avoir des maldonnes, des malfaçons ou des choses à améliorer pour vraiment atteindre les objectifs à chaque niveau. Donc, à travers un fonds de mitigation, cela a été prévu. Donc, avec ces observations qui ont été faites par l'AFD, nous allons utiliser et mettre en œuvre ces fonds de mitigation pour pouvoir apporter les corrections nécessaires. Alors, le PADAC est là pour un mandat de 5 ans. Monsieur le coordonnateur, est-ce que vous avez des perspectives à l'horizon 2021? Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore à peu près 56% de réalisation et 56% de réalisation physique et à peu près 52% de réalisation de taux de consommation financière. Alors, sur cette base-là, ça veut dire qu'il nous reste encore des défis à lever. Et nous sommes en train de nous battre, mais avec les engagements qui sont en cours, nous espérons que nous allons faire au moins les 70%. Et quitte au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, notre ministère de tutelle, et au bailleur de fonds, l'AFD, d'aviser et de voir s'il était utile de faire une petite prolongation qui nous permettrait de faire davantage. Parce que si on s'arrêtait à ce niveau, on pourrait être à 60-70%, mais on pourrait faire davantage si on avait encore la possibilité d'avoir quelques mois en plus. Monsieur le coordonnateur Bétain Tamayon, nous sommes à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez une conclusion pour mettre fin à cette entrevue? Le projet, c'est une affaire de nous tous, mais beaucoup plus encore des acteurs, parce que l'unité de gestion du projet n'est qu'une structure de mise en œuvre qui va disparaître lorsque le projet prend fin. Mais les acquis seront là. Et donc, il faudrait que chaque partie se sente concernée et que l'accompagnement tel que nous l'avons vécu jusqu'à présent puisse se poursuivre afin que nous puissions terminer et dans de très bonnes conditions et permettre que les acquis que nous aurions eus puissent être sauvegardés et bien gérés par la suite pour le bonheur des populations du département des Collines. Mesdames et messieurs de Soukha TV Bélé, nous sommes à la fin de cette entrevue. Nous sommes à Dassazoumé. Nous avons reçu pour vous Monsieur Bétain Tamayon, coordonnateur du PADAC. Ensemble, nous avions fait le tour d'horizon des actions qui ont été menées par ce projet dans le département des Collines. Gilbert Dagan et Fred Oguidi vous remercient pour la fidélité. À très bientôt sur Soukha TV.